Hey, salut la gang de Questions Auto, j'espère que vous allez bien. Sion, ça fait quand même un petit bout de temps qu'ils sont dans le décor. On ne va pas sans oublier que c'est Toyota qui est en arrière de tout ça. On amène une philosophie jeune, dynamique, qui est totalement différente de ce que vise justement le manufacturier maître. Et là, on avait vraiment besoin d'un vent de fraîcheur justement là, pour aider à mousser un petit peu les ventes et conquérir de nouveaux acheteurs avec des véhicules intéressants. Eh bien, c'est tant mieux parce qu'on dit adieu à la XB et bienvenue à la IM. Donc, c'est littéralement basé sur la Corolla. Faut dire que le design de la voiture est quand même très, très beau. Je déteste pas du tout. Et c'est une hatchback. Et on le sait, nous, de notre côté du Québec, du côté du Canada, eh bien, on aime bien ces voitures-là qui sont quand même assez utiles. Vous rappelez, une des grandes défenses de la gamme de Toyota, c'est sans doute la Matrix. Plusieurs personnes ne comprenaient pas pourquoi Toyota avait mis la hache dans ce modèle-là. Eh bien, si vous cherchez une alternative à la Matrix, je pense que vous allez trouver la Sion IM extrêmement intéressante. Côté extérieur, ben regardez le look, vraiment un nez là, qui est fait tout en longueur, qui est vraiment très bien. Du côté de l'avant, c'est bien réussi. Des beaux accents de noir, des beaux accents aussi mis sur les lignes. Regardez la forme du capot. Regardez sur le côté aussi, le côté vraiment pointu du museau, donc beaucoup plus agressif que les véhicules de Toyota qu'on était appelés à connaître dans le passé. Encore une fois, des phares qui se démarquent. Mais faites attention, ce n'est pas un phare au LED pour celui-là, c'est halogène. On a quand même un beau LED ici qui va tout simplement s'allumer en position phare de jour et ça donne un petit style à la voiture. Le signe-sion vraiment, encore une fois, proéminent, donc vraiment gros et qui centre cette partie-là de la calandre. Seul petit défaut que j'ai trouvé avec l'avant, probablement qu'on a tenté de le retirer d'une manière peut-être peu appropriée ou encore nos collègues journalistes ont un mini impact avec le petit carré sur le coin, mais ça a été très difficile à replacer pour celui-là. Si on se déplace sur le côté, eh bien, encore une fois, c'est réussi. Beau petit côté hatchback. Semble plus petit que la Matrix. C'est sûr parce que le véhicule est beaucoup plus bas. On utilise des roues de 17 pouces. Donc ça, c'est quand même intéressant. Un beau mag, aussi une belle jante. Le pneu, c'est un 225-45-17. Donc c'est quand même un pneu qui est assez large pour ce type de véhicule-là habituellement. On va utiliser un modèle Ecopia. Donc un pneu qui va avoir quand même pas trop une grosse résistance au niveau du roulement, mais qui ne nous offrera pas nécessairement une excellente tenue de route, mais on va vraiment viser la durabilité. Sur le côté, les miroirs sont rétractables. Donc, ce qui est intéressant, c'est même si vous avez oublié de les rétracter, vous pouvez pousser comme ça. On n'entend pas du tout le moteur forcé. Et lorsque vous allez arriver à l'intérieur, un petit appui sur le bouton, pas de casse-tête, les miroirs vont réouvrir. La partie arrière maintenant. Encore une fois, bien stylisé, des belles courbes. Et on a un phare qui, lorsqu'il est allumé tout simplement, va nous offrir une barre de LED ici sur toute la longueur. Un petit style que je déteste pas du tout, même pour l'arrière. Regardez comment c'est réussi au niveau des réflecteurs. Habituellement, on intègre difficilement ceux-ci à l'intérieur du pare-choc, mais je dois dire qu'avec la petite ligne agressive qu'on a maintenant, ça donne quand même un très beau petit look. Petit bémol sur la vitre arrière. Regardez comment c'est pas grand. Même chose aussi pour l'essuie-glace, très petit, donc peut-être en situation de conditions difficiles, de pluie, voire même l'hiver, on le sait, un hatchback, ça a tendance à se salir, surtout dans la partie arrière. Eh bien là, peut-être la visibilité va être un petit enjeu, tout simplement. Pour le reste, petite ligne d'échappement, tout simplement, discrète en dessous, et je pense qu'on aime bien le look général du Sion IM.
Allons à l'intérieur du véhicule. Bonne ouverture de la porte, bonne accessibilité. On voit quand même que le côté matériaux, le style des matériaux utilisés a quand même été très soigné. C'est sûr qu'on reconnaît quelques apparences de style avec la Corolla, mais au moins on réussit à donner vraiment un style unique à la Sion. Très facile de prendre place à bord. Les bancs ne sont pas électriques cependant, donc on y va avec des bons vieux ajustements à la mitaine, comme on dit, et ça fait quand même la job côté rapidité par rapport à ces ajustements-là. Pour le reste, belle qualité de matériaux, belle finition. J'aime bien l'agencement qu'on a présentement ici, avec vraiment le tableau de bord ici, qui n'est pas un plastique dur, qui n'est pas trop mou non plus, mais qui offre quand même un beau fini. Et pour le reste, lorsqu'on descend, ben, on a les grilles, un petit peu de plastique. Encore une fois, ici, un matériel qui est pas du plastique, mais qui est comme mou un peu, tout simplement. Une petite bordure blanche, j'aurais aimé qu'on l'harmonise peut-être avec la couleur du véhicule, tout simplement. Et après ça, on descend vraiment dans le compartiment coffre à gants, donc qui est très volumineux et qui est un plastique, tout simplement. Des accents de noir pour les portières, des accents côté aluminium brossé un petit peu plus. Donc, on retrouve ce même style-là ici, tout simplement, dans une bordure qui est au-dessus de notre système d'infodivertissement. On a apporté même quelques petites touches de finition à la clé, ce que je trouve quand même très bien au niveau du véhicule. Un petit ajout de chrome, mais on n'a pas de démarreur pouce-bouton, comme on dit. Donc, on y va vraiment avec une clé standard, tout simplement, à l'intérieur du véhicule. On allume tout ça. Donc voilà, donc l'intérieur, le radio que j'oublie à chaque fois dans mes vidéos, ça s'en vient vraiment un cas classique. Donc, on a un écran vraiment à l'intérieur qui est multifonction, donc ça c'est quand même bien au centre tout simplement. On l'active à l'aide des boutons sur le volant ici. Donc on peut passer en mode message, en mode configuration et changer tout simplement quelques menus quand même assez standards. On a un indicateur écho aussi qui va nous donner un peu une cote par rapport à notre compte. Donc, si on a une conduite écologique ou si on a une conduite un peu agressive, on va voir, bien entendu, cet affichage-là monter ou descendre. Pour le reste, je vous mentionnais aussi les boutons donc par rapport aux miroirs. Donc, les miroirs qui sont rétractables, quand même intéressant sur une voiture de ce style-là. On pense le côté citadin, si on veut. Donc, la minute qu'on va être en ville, eh bien, on veut, bien entendu, être capable de protéger nos miroirs parce qu'on sait qu'il y a des mauvais conducteurs un peu partout. Ça n'a aucun sens. On a un nouveau système d'écran tactile. Ça, c'est quand même bien. Donc, c'est développé avec Pioneer. Donc, un écran qui est 7 pouces, Bluetooth, USB, auxiliaire, 6 haut-parleurs. On a une fonction AA ici, donc, qui demande une application à installer sur notre iPhone. Ça, je comprends pas trop cette partie-là. Sérieusement, c'est une application que j'ai enlevée tout simplement. Aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, eh bien, on n'a pas vraiment besoin d'ajout là-dessus. Lorsqu'on va tout simplement appuyer dans les différentes configurations, eh bien, ça répond quand même bien. C'est quand même assez rapide. Il n'y a pas trop de casse-tête au niveau de l'affichage, mais vous remarquerez qu'on n'a pas le GPS sur cette partie-là. Donc, encore une fois, je pense que c'est la seule option qui est disponible au niveau du système multimédia. Mis à part tout ce que vous voyez à l'intérieur du véhicule, eh bien, c'est tout inclus. Il n'y a pas d'ajout pour l'air climatisé, d'ajout pour des sièges chauffants. D'ailleurs, il n'y en a pas à l'intérieur du véhicule. Il n'y a pas d'ajout pour absolument rien. Le véhicule, quand vous l'achetez, bien, vous choisissez la transmission automatique ou encore la transmission manuelle. Et puis voilà, ça fait le prix unique que vous allez avoir pour votre véhicule. Pour la chose que je comprends pas trop non plus, c'est lorsqu'on appuie sur la configuration ici qu'on va à l'intérieur d'un véhicule. J'ai FRS, IM et TC. De ce que j'ai vu par rapport aux changements que je fais, ça change uniquement la manière dont le son est diffusé à l'intérieur du véhicule. Alors que quand je me réfère au manuel, je devrais avoir de l'information par rapport à la version de mon système ou encore l'information véhicule. Ça, c'est vraiment particulier. Qualité sonore correcte, mais sans plus. L'autre partie que j'aime bien, c'est ça ici en bas. Donc, on a un système double climatisation, donc des deux côtés. Facile au niveau de l'ajustement. Donc, je pousse ici tout simplement pour monter ou baisser ma température. Même chose aussi par rapport à la puissance, la climatisation, qui fait d'ailleurs une bonne job au niveau des positions simples. Si jamais j'ai un passager de l'autre côté qui veut prendre le contrôle manuellement, eh bien, up and down, simplicité, bouton rapide, précis, mode automatique, il n'y a vraiment pas de casse-tête là-dessus. J'ai un petit compartiment un petit peu plus bas ici pour tout simplement
fermer ma climatisation. Tout simplement, brancher mon accessoire 12 volts que j'aurai avec du 120 watts et ma prise auxiliaire et USB qui est située directement ici. Donc, j'aurais peut-être placé l'USB un petit peu plus bas et non pas avoir à gosser vraiment avec un fil pour aller le brancher tout juste au-dessus d'où est-ce qu'il y a le connecteur, donc pour protéger le tout. Le compartiment est quand même petit. Si vous avez un iPhone 6, ça rentre à l'intérieur, mais si vous branchez votre iPhone 6, vous allez tout simplement trouver ça un petit peu difficile. Étant donné que j'ai la boîte CVT, donc j'ai un mode sport que je peux enclencher, ici, ce que ça va faire, ça va changer mon affichage ici à l'intérieur et ça va simuler des vitesses tout simplement au niveau de mon véhicule, ce qui est quand même bien, puis la boîte CVT répond très bien. Pour le reste, petit compartiment ici, donc qui permet de loger quelque chose, vraiment rien de big. Et lorsque je vais me retourner vers en haut ici, eh bien, j'ai de la place pour mettre mes lunettes avec un bon matériau à l'intérieur ici pour ne pas les graffiner et je vais tout simplement avoir de l'éclairage aussi que je peux allumer dépendamment, mettre avec mes portes fermées et lorsque j'appuie ici, eh bien la lumière s'allume tout simplement. Chose à faire, très attention cependant, si vous aimez la longévité de votre batterie, regardez bien ça, vous pouvez tout simplement abaisser votre pare-soleil. Bien entendu, il y a un miroir à l'intérieur, ça c'est un classique, mais c'est ça ici. Donc, on allume la petite lumière, on se regarde, on se maquille pour la madame et on se casse pas la tête. Et lorsqu'on referme, eh bien, regardez, la lumière reste active, donc elle va rester allumée. Là, ça paraît pas trop parce qu'on est jour, mais le soir, vous allez voir, bien entendu, un halo de lumière là, qui est à l'intérieur ici. Donc, si jamais vous laissez les deux ouverts comme ça, vous n'y pensez pas, eh bien, vous allez drainer votre batterie. Et il y en a une qui était allumée pendant mon essai cette semaine que je ne me suis pas rendu compte. Chance qu'il faisait pas moins 40 dehors parce que j'aurais trouvé ça quand même assez plat. Pour le reste, eh bien, côté motorisation, ça fait la job. Allons-y avec un petit démarrage. Sonorité un petit peu plus aiguë, hein? Donc, on l'entend bien entendu quand on accélère avec le véhicule, ça c'est sûr. Pour le reste, la partie arrière, eh bien, ça fait quand même bien la job, sérieusement. Matériaux, encore une fois, de qualité. Et on n'oublie pas qu'on peut abaisser les bancs. Et la partie aussi ici, tout simplement, donc des appuis-têtes, donc passe amplement. Là, donc, on n'a pas vraiment de problématique avec une position de conduite qui est régulière, tout simplement. Appuis-têtes aussi qui sont ajustables. Donc, pour la personne à l'arrière, bien entendu, on appuie sur les deux boutons comme ça et qui vont pencher, tout simplement, une fois qu'on va abaisser le banc aussi comme ça. Donc, lorsqu'on va les avoir soulevés, mais non pas lorsqu'ils vont être en position vraiment totalement basse comme ça. Donc ça, ça ne pourra pas pencher là, de mon côté. On a une section à l'arrière qui nous permet d'avoir des porte-gobelets et qui va éliminer bien entendu la troisième position. Et vous remarquez que la troisième place sur le banc d'arrière, on est un petit peu plus avancé. Donc ça va être quand même pas si pire côté confort parce que c'est la même banquette, mais on va peut-être ressentir une petite bosse dans le dos, mais au moins on ne sera pas épaule à épaule avec les autres personnes qui vont nous entourer. Je vous ai mentionné le petit LED tantôt, regardez quand le véhicule est allumé. Donc c'est vraiment toute cette partie-là qui allume. Le coffre, quand même une bonne dimension. Vous voyez, j'ai toujours mon bon vieux sac de gym pour comparer le tout. Et vous remarquerez qu'il y a des compartiments aussi à l'intérieur qui sont quand même intéressants. Cache-bagage aussi qui vient automatiquement donc avec mon véhicule. Pas d'option là-dessus. Des crochets, lumière à l'intérieur aussi pour l'éclairage. Donc, partie en tour qui, comme des compartiments fonctionnels, est complètement dessous. Un pneu donc de secours, pleine grandeur, avec tous les accessoires nécessaires, bien entendu, pour soulever la voiture. Et ça, c'est quand même complet comme intérieur à partir de là. Dirigeons-nous vers le compartiment moteur pour jeter un coup d'œil sur ce petit 1.8 litres là. Eh bien voilà, du Toyota pur et simple, donc on ne se le cache pas, on n'utilise même pas le logo Sillon et on y va avec une mécanique qui est fiable, qui n'est pas de casse-tête, qui est vraiment un minimum d'entretien aussi, parce que quand on commence à parler de changement d'huile aux 16 000 km, eh bien, c'est vraiment du kilométrage.
Côté comportement routier, eh bien, il ne faut pas s'attendre à de grandes performances parce qu'on a un moteur de 1,8 litres. Et pour les forces, eh bien, on parle de 137 forces à 6100 tours minute et on parle de 126 livres de couple et ce à 4000 tours. On a le choix entre une 6 vitesses manuelle ou encore une CVT. La CVT, surprenamment, est rapide. La minute qu'on va faire une accélération, elle est déjà prête. On est déjà prêt à partir rapidement en accélération. Je pense qu'elle fait même un meilleur travail que la transmission manuelle et ça, c'est pas peu dire. C'est sûr que si vous aimez avoir le contrôle de votre véhicule, eh bien, allez-y pour une manuelle. En plus, vous allez sauver un petit prix ce coup-là. Donc, il n'y a pas un 2000 $ de différence quand vous allez vers une transmission qui est manuelle. Pour le reste, un comportement, on a un petit peu de roulis, on a un petit peu de nez plongeant. Lorsqu'on va aussi aborder un détour plutôt en mode performance, on va voir vraiment aussi l'indicateur de contrôle de traction qui va s'y mettre à travailler. Donc, la voiture est contrôlée. Il faut dire aussi qu'on a des pneus de 225 de large. Donc, ça donne un comportement un petit peu particulier. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un auto dans les 20 000 $. Donc, il ne faut pas s'attendre à des accélérations brusques, une tenue de route à tout casser, ni même un freinage à tout casser. Donc, il faut vraiment baser son interprétation sur le créneau compact qu'on est en train d'aller chercher avec ce véhicule-là. Côté sécurité aussi, quelque chose que j'aborde pas nécessairement souvent, mais je pense que c'est bien de le mentionner pour ce véhicule-là, c'est plein de coussins gonflables tout partout pour les genoux, pour les rideaux tout simplement. Et on a le fameux système Star, donc qui est proposé par Sion, le système Star de Toyota, bien entendu, qui nous parle de contrôle de traction, de stabilité, d'ABS, répartition de force de freinage, et j'en passe parce que ça en fait une voiture qui est extrêmement sécuritaire, aussi intéressante. Donc, si jamais vous avez une petite famille, je dis bien une petite famille, peut-être que vous allez trouver votre voiture dans la Sion IM, surtout si vous étiez un fanatique, justement, de la fameuse Matrix qui offrait quand même plusieurs de ces grandes caractéristiques-là. C'est sûr que lorsqu'on va aller dans des accélérations fortes, comme je vous dis, on est prêt, on passe en mode sport, même pour donner un petit peu plus de punch, mais écoutez bien, vous allez voir, là, on entend vraiment l'accélération. Simulation de vitesse. Accélération quand même bien, mais lorsqu'on va partir vraiment d'un stop ou autre, eh bien là, on va vraiment devoir patienter un petit peu plus. Mais quand le véhicule a son élan, c'est quand même pas si pire. Mais encore là, c'est pas une voiture de performance, mais de toute façon, c'est pas grave parce que si vous achetez ce véhicule-là, je présume que vous préférez sauver de l'essence. Parlons un petit peu des sièges aussi. Donc, moi, c'est pas si pire. Je suis pas vraiment une personne qui est très large, si on veut, mis à part des épaules. Donc, lorsque je m'insère dans le siège comme ça, je suis quand même très, très bien. Cependant, si vous êtes un peu d'un gabarit quand même assez large, vous allez peut-être trouver ça un petit peu inconfortable au niveau des supports lombaires. Donc, prenez le temps de vraiment essayer le véhicule comme il faut au départ. All right, guys, let's talk about the seat. Pour la consommation, on parle de 7,3 litres qui a été observé en essai avec le véhicule. Cependant, si on y va vraiment avec les chiffres du côté de Toyota, on parle de 6,3 litres sur route et 8,3 en ville. Donc, on est un petit peu en dessous par rapport à notre moyenne avec ce qu'on devrait faire habituellement. C'est sûr que si on prend le manuel, eh bien, ça augmente un petit peu par rapport à les chiffres. Donc, on parle de 8,3 litres du côté d'un combiné. Pour le prix, eh bien là, on ne se casse pas la tête. Il n'y a pas d'option du côté de Sion. Donc, le prix, c'est exactement le véhicule que je vous ai montré aujourd'hui. Donc, en version manuelle, on parle de 21 165 $. Si on va aller avec une CVT, 21 990 $. Donc, on a quand même une gamme de prix qui est correcte pour tout l'équipement qui est à l'intérieur du véhicule avec une fiabilité assez légendaire. Si cependant vous voulez une peinture de qualité supérieure, eh bien là, il va falloir monter un petit peu l'investissement à 22 245 $, ce qui est encore quand même pas si pire, je trouve, pour le volume d'équipement, pour l'utilité du véhicule. Il faut dire aussi dans le temps qu'on payait les Matrix pas mal dans les mêmes alentours si on veut. Puis on en a, je pense, beaucoup plus qu'une Corolla présentement, surtout une Corolla qui serait peut-être équipée à ce niveau-là. Donc,
Pas d'option, on ne se casse pas la tête. Si jamais vous voulez quoi que ce soit de plus, ça va être un chauffe-moteur ou encore une doublure de compartiment de charge. Puis bien là, à partir de là, c'est la décision qui est vôtre par rapport à votre véhicule. C'est sûr que côté comparaison, on a beaucoup, beaucoup de choix sur le marché. Le Mazda 3, le Ford Focus, l'Elantra GT, la Volkswagen Golf, c'est tout d'excellents véhicules. Donc, c'est un marché qui est extrêmement agressif. Allons-y avec le code de match. Je vais lui donner quand même un A. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule qui est fiable, c'est un véhicule qui est correct par rapport au prix qu'on a au niveau de l'équipement, sans être toutefois un véhicule qui est extrêmement performant, voire même qui va me donner des palpitations lorsque je vais le conduire. Donc, c'est uniquement pour ça que je vais lui donner un A, ce qui est quand même très bon, mais ce qui aide aussi à remonter ma note, c'est surtout par rapport à la fiabilité à long terme, surtout du véhicule qu'on va être capable de gagner. Donc là, c'est sûr que c'est bruyant en accélération, donc un petit point négatif, peut-être aussi la petite vitre à l'arrière, le petit essuie-glace, mais au moins on comble avec plein d'équipements standards, comme je vous disais, l'économie d'essence, la CVT aussi qui est performante, qui fait énormément la job, le style frais et les changements d'huile aux 16 000 km, ça c'est vraiment un minimum d'entretien pour ce véhicule-là. Et bien voilà gang, j'espère que vous avez apprécié l'essai de la semaine de la Sion IM. Si jamais vous avez des commentaires ou des questions, eh bien n'hésitez pas à commenter tout simplement cette vidéo-là, parce qu'on est Question Auto!